Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Escalité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, Monsieur le préfet du département du littoral, Monsieur le premier adjoint au maire de Cotonou, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, éminentes personnalités, responsables de divers ordres religieux, messeigneurs, majestés, révérends pasteurs, têtes couronnées, imams, rois, sages et dignitaires, distinguées personnalités, invités spéciaux de la Première Dame de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs, c'est à l'occasion du dévoilement de la fresque, objet de la présente cérémonie, que Cotonou s'offre l'une des pointures mondiales de l'art plastique contemporain par la générosité d'un mécène, je veux très respectueusement nommer Madame Claudine Bénin-Talon, Première Dame de la République du Bénin et Présidente de la Fondation Claudine Talon. Trois temps forts marqueront le déroulement de la présente cérémonie. D'abord, la présentation de la fresque par le talentueux artiste plasticien brésilien de renommée mondiale, suivi de son dévoilement et de sa signature. Ensuite, l'allocution de M. le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et enfin, la photo souvenir et le retrait des personnalités mettront un terme à la présente cérémonie. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, celui que je m'apprête à inviter à prendre la parole est un artiste plasticien accompli. Brésilien d'origine, muraliste de renom, plus de 500 œuvres à son actif à travers le monde, M. Eduardo Cobra, dont le parcours professionnel force le respect et l'admiration, est convaincu que, citation, quelle que soit la religion, le message principal devait être l'amour, et l'amour est ce qui nous unit. Il ne peut jamais être la cause de séparation, de conflit, de malheur, ni de heurts. Fin de citation. Aussi a-t-il élaboré le projet Coexistence, qui consiste à diffuser un message de tolérance et de paix en rappelant que la foi, quelle que soit la croyance, doit partir des principes de respect et d'amour. Elle doit signifier la fraternité entre les humains. Pour la deuxième fois de sa riche carrière, Eduardo Cobra pose ses valises en Afrique et précisément en terre hospitalière béninoise, après le Malawi en 2017, pour appeler l'attention des communautés humaines sur la nécessaire coexistence des religions et la tolérance religieuse entre les peuples. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent requérir la bienveillante autorisation de la Première Dame pour faire intervenir M. Eduardo Cobra, que j'invite à prendre la parole avec votre complicité. Merci. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos para o parágrafo, né? Parágrafos, né? Sim. Tá bom. Deixa eu olhar para mim. Tá. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Em especial, a minha consideração ao senhor presidente da República do Benin, senhor Patrice Talon, a sua esposa Claudine Talon, seus familiares e todas as autoridades aqui presentes. Bonsoir à toutes et à tous, et en particulier au président de la République du Bénin, Monsieur Patrice Talon, son épouse, Madame Claudine Talon, les membres de sa famille et toutes les autorités ici présentes.
A arte já me levou aos 5 continentes, onde eu tenho hoje centenas de obras em espaços públicos. Algo que eu nem sequer sonhava 30 e poucos anos atrás, quando eu era um jovem buscando me expressar. E comecei a minha carreira num bairro pobre da periferia de São Paulo, onde eu vivia. L'art m'a déjà amené sur les 5 continents, où j'ai maintenant des centaines d'œuvres dans des espaces publics. Quelque chose dont je ne rêvais même pas il y a de cela 30 ans, quand j'étais un jeune homme qui cherchait à s'exprimer et que j'ai débuté ma carrière dans le quartier pauvre de la périphérie de São Paulo, au Brésil, où j'y habitais. De lá para cá, os murais se tornaram a plataforma para a minha arte e as mensagens que eu queria espalhar pelo mundo. Minha arte faz um alerta urgente para a importância da preservação ambiental, defesa dos animais, clamor por um mundo sem violência e sem armas, valoriza as culturas e as histórias dos mais diversos lugares do planeta e pede tolerância e paz. Depuis lors, les peintures murales sont devenues le support de mon art et des messages que je voulais diffuser à travers le monde. Mon art lance une alerte urgente sur l'importance de la préservation de l'environnement, défend les animaux, appelle à un monde sans violence et sans armes, valorise les cultures et les histoires des endroits les plus divers de la planète et appelle à la tolérance et à la paix. Mas depois de tantos trabalhos em tantas cidades e tantos países diferentes, eu digo com certeza que Benin ocupa um lugar especial em meu coração. Primeiramente, porque fui recebido aqui com um carinho extraordinário pelo povo e pelo senhor presidente, que tenho o privilégio de chamar de anfitrião. Essas semanas que passei aqui neste maravilhoso e adorável país já são inesquecíveis para mim. Mas depois de tantos exploits dans des villes et pays différents, je peux dire avec certitude que le Bénin occupe une place particulière dans mon cœur. D'abord parce que j'ai été reçue ici avec une affection extraordinaire par le peuple et par le président, que j'ai le privilège d'appeler mon hôte. Ces semaines que j'ai passées dans ce merveilleux et charmant pays sont devenues pour moi inoubliables. O outro motivo é a oportunidade de inaugurar hoje mais uma obra que integra o meu projeto Coexistência, que trata de temas muito importantes para mim: a liberdade religiosa, o respeito às mais diversas crenças, a necessidade de convívio pacífico e harmonioso entre membros de diferentes igrejas, cada qual com sua fé. L'autre raison est l'opportunité d'inaugurer aujourd'hui une œuvre qui intègre mon projet Coexistence, qui traite de thèmes très importants pour moi: la liberté religieuse, le respect des croyances les plus diverses, la nécessité d'une coexistence pacifique et harmonieuse entre les membres de différentes églises, chacune avec sa propre foi. Este mural foi feito em um espaço de 525 metros quadrados, construído especialmente para receber o meu trabalho. Antes de fazer o mural, dois assistentes da minha equipe estiveram aqui para averiguar as condições de trabalho e levantar informações que fossem úteis para a concepção da obra de arte. Como sempre faço, também pesquisei e respeito e concluí que, como Benin é uma nação que se apoia sobre os pilares da liberdade religiosa e onde diferentes crenças convivem pacificamente, aqui seria o local ideal para mais uma obra desse meu projeto. Cette fresque a été réalisée dans un espace de 525 mètres carrés construit spécialement pour recevoir mon travail. Avant de réaliser ce travail, deux assistants de mon équipe était là pour vérifier les conditions de travail et recueillir des informations utiles à la conception de l'œuvre d'art. Comme je le fais toujours, j'ai aussi fait mes recherches à ce sujet et j'ai conclu que le Bénin, étant une nation qui repose sur les piliers de la liberté religieuse et où différentes croyances coexistent pacifiquement, il serait l'endroit idéal pour un autre travail de mon projet.
Retratei 12 pessoas, cada uma representando uma religião diferente. Isto é simbólico porque são 12 cidades do país. Essas pessoas estão de costas e todas elas olham para o céu abraçadas. E é assim que tem que ser, caminhando juntos, porque só assim teremos um mundo melhor. J'ai pris 12 personnes, chacune représentant une religion différente. C'est symbolique, car il y a 12 États dans le pays. Ces gens ont le dos tourné et ils regardent tous le ciel en se tenant les uns les autres. Et c'est ainsi que cela doit être, marcher ensemble, parce que c'est la seule façon d'avoir un monde meilleur. Eu acredito que a religião pode ser uma força poderosa para o bem e que cada religião ensina o amor e a bondade em seu próprio caminho. A mensagem que eu quero comunicar com essa obra de arte é de que, independentemente de qual seja a sua religião ou se você não tem uma religião, todos somos iguais e podemos conviver em harmonia. Eu acho que a religião pode ser uma força puissante para o bem. Et que chaque religion enseigne l'amour et la gentillesse à sa manière. Le message que je veux communiquer avec cette œuvre d'art est que, quelle que soit votre religion, ou si vous n'avez pas de religion, nous sommes tous égaux et pouvons vivre ensemble en harmonie. Esta obra representa diferentes pessoas praticantes de diferentes religiões. Em comum, todas elas buscam amor e tolerância, porque não importa qual seja a religião, a mensagem principal deve ser o amor. E amor é aquilo que nos une, jamais pode causar separação, conflito, desgraças. Meu projeto Coexistência consiste nisso, espalhar mensagens de tolerância e de paz, lembrando que a fé não importa de qual seu credo, precisa partir de pressupostos do respeito e do amor. Precisa significar fraternidade entre os humanos. Cette œuvre représente différentes personnes pratiquant différentes religions. En commun, ils recherchent tous l'amour et la tolérance, parce que peu importe la religion, le message principal devrait être l'amour. Et l'amour est ce qui nous unit. Il ne peut jamais être cause de séparation, de conflit, de malheur. Mon projet Coexistence consiste en ceci: diffuser des messages de tolérance et de paix. En se rappelant que la foi, quelle que soit sa croyance, doit partir d'un principe de respect et d'amour, doit signifier la fraternité entre les hommes. Eu acredito fortemente que a arte pode ter um impacto poderoso no mundo. A arte pode nos fazer pensar, pode nos fazer sentir e pode nos ajudar a nos conectar uns com os outros. Minha esperança é que esta obra de arte sobre tolerância religiosa possa ajudar a promover o entendimento e o respeito mútuo e possa ajudar a difundir essa mensagem de amor ao redor do mundo. Que todos que olhem para esta obra de arte possam ver a beleza da diversidade, que possamos entender que, independente de nossas crenças religiosas, somos todos irmãos e irmãs em um planeta que é nossa casa, de todos, que possamos ver o bem em cada ser humano e trabalhar para superar as diferenças que nos mantêm separados. Que todos coexistamos. Muito obrigado. Je crois fermement que l'art peut avoir un impact puissant sur le monde. L'art peut nous faire réfléchir, il peut nous faire ressentir et il peut nous aider à nous connecter les uns aux autres. J'espère que cette œuvre d'art sur la tolérance religieuse peut aider à promouvoir la compréhension et le respect mutuel et peut aider à diffuser ce message d'amour à travers le monde. Que tous ceux qui regardent cette œuvre d'art voient la beauté et de la diversité. Puissons-nous comprendre que, quelles que soient nos croyances religieuses, nous sommes tous frères et sœurs sur la planète qui est notre maison pour nous tous. Puissons-nous voir le bien en chaque être humain et travailler pour surmonter les différences qui nous séparent. Puissons-nous tous coexister. Je vous remercie. Obrigado. Je crois que l'artiste mérite davantage d'applaudissements.
en priant nos distinguées personnalités de garder leurs positions respectives, je voudrais demander à l'artiste de s'avancer pour nous rendre témoins de la signature de cette fresque. Merci. Nous allons inviter l'artiste à nous présenter les membres de son équipe.
Merci. Je voudrais à présent inviter respectueusement M. Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à prendre la parole pour son allocution. Merci. Alors, j'avais une version longue dans la poche gauche et une version courte dans la poche droite. Donc, vous avez gagné la version courte. J'estime que l'essentiel est déjà dit. Madame Claudine Talon, mécène du projet artistique, messieurs les ministres, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, mesdames et messieurs les chargés de mission du président de la République, mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels et directeurs généraux, éminents représentants des confessions religieuses, monsieur le président de l'association Effet Graphe, monsieur Eduardo Cobra, chers artistes ici présents, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui 3 mai 2023, nous sommes au mur du port pour dévoiler une fresque monumentale, celle du Brésilien Eduardo Cobra. Cette impressionnante œuvre vient s'ajouter aux nombreuses autres qui s'offrent déjà à la contemplation le long de ce mur devenu le passage obligatoire de tout visiteur de notre belle cité. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis l'exposition en 2022 des 26 œuvres restituées par la France et de leur filiation contemporaine, le Bénin poursuit son objectif de faire du pays un lieu d'effervescence culturelle où la créativité en art est permanente. L'écosystème qui permet d'y arriver se met progressivement en place à travers notamment le musée d'art contemporain de Cotonou, l'Agence de développement des arts et de la culture et le quartier culturel et créatif de Cotonou, avec pour objectif de faire de ce secteur un levier pourvoyeur de richesses et d'emplois. Et chaque pas posé, à l'instar de celui qui nous réunit, nous approche de ce but. En effet, ce projet d'envergure est né il y a juste moins de 2 ans. Le gouvernement du Bénin faisait écho à l'association Effet Graphe qu'il cherchait à prolonger l'expérience menée sur le mur de l'OCBN, a décidé de transformer ce mur en un lieu fort et emblématique d'expression du street art en Afrique. Long de 4 km, ce mur accueille aussi bien d'éminents artistes internationaux du genre que de célèbres plasticiens béninois. Aujourd'hui, grâce à une mécène, nous nous enorgueillissons d'associer à cette œuvre la main et la touche du Brésilien Eduardo Cobra, spécialiste des fresques monumentales et ayant signé plusieurs œuvres emblématiques à New York, Sao Paulo, Buenos Aires et dans bien d'autres grandes villes du monde, valorisant les bâtiments et édifices publics de son extraordinaire touche néo-réaliste, Eduardo Cobra milite en faveur des causes universelles, là où l'humanité est en souffrance, aux guerres, aux destructions de l'environnement et au racisme, il oppose la paix, l'écologie et la tolérance, des messages forts qui offrent des perspectives plus réjouissantes à notre humanité. Mesdames et messieurs, avec l'appui de notre mécène, sur ce mur exceptionnel, la contribution d'Eduardo Cobra s'inscrit dans une double projection. D'abord, il s'agit de faire cohabiter les plus grandes signatures du monde en matière de graffiti et ensuite produire, par les œuvres réalisées, un narratif conforme à notre identité, à notre histoire et à notre culture de cohabitation pacifique. Eduardo
a accepté de réaliser une œuvre sur le thème du dialogue interreligieux. Car ici, sur la terre des Amazones, du Bioguera, de Béanzin et de Kaba, toutes les religions sont respectueuses les unes des autres et donnent à voir depuis toujours des scènes d'ouverture et de tolérance. C'est une tradition qui se manifeste par le dialogue qu'entretiennent, par exemple, depuis 1903, la basilique de l'Immaculée Conception, érigée juste en face du temple des Pythons à Huida. Le même exemple s'affiche à Porto Novo, où la cathédrale Notre-Dame, en face de la place Bagnole, cohabitera très bientôt avec le Musée international du Vaudou, dont les travaux viennent de démarrer. Et l'État, garant de la laïcité, apporte ou apportera son soutien aux événements religieux, qu'il s'agisse de pèlerinage à la Mecque pour les musulmans, du pèlerinage des chrétiens célestes à Semekboji, du pèlerinage à la grotte mariale à Dassa, ou de la fête des religions endogènes que nous appelons la fête du 10 janvier et désormais d'ailleurs le Vodou Days. En s'inspirant de cet état d'esprit, l'artiste brésilien nous présente une scène symbolique des traditions de tolérance religieuse sur ce mur. Les adeptes de tous les cultes sont mis en scène ici en se côtoyant, en dialoguant, investis par une vision sociétale commune, profondément humaniste. L'œuvre d'Eduardo Cobra vient donner une dimension encore plus internationale à ce mur que le gouvernement a érigé avec une esthétique au réalisme aussi troublant qu'époustouflant. Merci à toutes les parties prenantes qui ont rendu cette réalisation possible. Vive la culture et les arts. Je voudrais vous remercier infiniment. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous abordons à présent l'ultime phase de la présente cérémonie, celle de la photo souvenir. Pour ce faire, je voudrais inviter les dignitaires religieux à se mettre en place et prier Madame la Première Dame du Bénin ainsi que les membres du gouvernement pour à cet effet. Donne-moi mon micro. Prends.
baptiste à poser avec les dignitaires religieux. Je voudrais respectueusement inviter les membres du gouvernement à se joindre à nous. Madame la Première Dame, diplomatique, le préfet du littoral ainsi que le maire de la ville de Cotonou. De la présente cérémonie, riche comme vous l'avez constaté. Et oui, bien sûr. On salue.